Bonjour, je m'appelle David Pastor, je travaille dans l'immobilier d'entreprise depuis une vingtaine d'années et avec mon associé Stéphane Moitier, on a créé les nouveaux bureaux il y a un peu plus de 3 ans. Nous achetons, rénovons et louons des bureaux flexibles au cœur de Paris. C'est un magnifique hôtel particulier qu'on a entièrement rénové. Un espace qui bénéficie de terrasses, de jardins, comme dans presque tous nos lieux. Un immeuble qu'on a réussi à rendre complètement indépendant, où on propose des surfaces privatives, sécurisées, pour nos 3 locataires qui sont ici dans cet espace qui fait environ 1000 m². Depuis un peu plus de 3 ans, on a ouvert une quinzaine d'espaces de 200 à 2000 m² environ. La taille de nos clients sont environ d'une cinquantaine de postes. Sur ces 15 sites, on développe un peu plus de 10 000 m². Aujourd'hui, le positionnement des nouveaux bureaux, c'est un positionnement plutôt haut de gamme, avec des lieux de caractère un peu atypiques, des endroits qui ont été transformés en bureaux qui ne l'étaient pas forcément auparavant. On est toujours très attentif à la qualité des rénovations, au mobilier qu'on propose. Ce qui permet d'avoir des lieux qui ne ressemblent, ressemblent pas aux autres. Un espace privatif, c'est avant tout un espace où nos clients vont se sentir chez eux, avec de la sécurité, de la confidentialité. On s'occupe pour eux de l'embellissement, des services et une attention toute particulière à tous leurs besoins. Ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est avant tout que nous sommes propriétaires de nos lieux, ce qui nous permet d'avoir une plus grande réactivité dans les travaux, dans leurs besoins. On peut tout imaginer, un terrain de foot, une piscine ou une salle de sport. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais fait de coworking. On propose des espaces uniquement dédiés à nos clients, en refusant des locations de salles de réunion, par exemple, à des personnes extérieures. On pense que le bureau de demain sera flexible avant tout, tourné sur les services et les besoins des clients. On pense que c'est une disparition progressive des baux 369 pour des prestations de services, comme chez nous, où on saura s'adapter aux croissances ou aux décroissances des entreprises. On est complètement ubique. On travaille vraiment de partout à l'image de ce lieu. On peut travailler sur une terrasse, on peut travailler dans un jardin. On a la chance d'avoir de très beaux bureaux dans le 17e et on travaille un petit peu de partout. Voilà. On a des projets d'ouverture, on va essayer de rester sur cette même dynamique qu'on a depuis 3 ans maintenant, c'est-à-dire environ 5 ouvertures par an. Toujours à Paris, toujours dans des quartiers assez centraux. Voilà.